Et victoire de Tristan Tulane, 15-14. Thank you.
Bonjour à tous, bienvenue au 42e Mémorial Henri Foussard, une édition un peu particulière cette année puisqu'il se déroule sous la forme d'un master à l'épée au lieu d'un circuit national. Je suis Alexandre Motte et avec moi pour vous commenter cette 42e édition et les deux demi-finales qui vont suivre, Nathan Fougy, l'épéiste du club, 8e au classement national, qui peut malheureusement pas tirer aujourd'hui. Voilà, merci Alex, bonjour à tous. Comme l'a dit Alexandre, je ne peux pas participer aujourd'hui. Je me suis blessé début décembre, je me suis fait une entorse de la cheville assez grave. Du coup, c'est avec déception que j'ai dû refuser ma participation à ce mémorial Henri Foussard. Je suis en phase de reprise actuellement, donc j'ai repris l'escrime cette semaine, mais je ne me sentais pas prêt physiquement à reprendre la compétition. Donc voilà, j'ai préféré rester en retrait et passer ma journée à être bénévole pour organiser ce 42e mémorial Henri Foussard. Donc Nathan, on l'a dit, une édition particulière, la forme d'un master avec 16 tireurs, quasiment les meilleurs français, quelques désistements cette semaine, et finalement, depuis midi et le début de la compétition, que des beaux matchs. Oui, donc on a vraiment presque tous les meilleurs français, on a noté quelques absences cette semaine. On a eu le forfait de Yannick Borel, qui est sûrement le meilleur français actuellement sur les circuits internationaux. On a eu la blessure d'Alex Fava et de Jonathan Bonner, qui eux aussi ont dû déclarer forfait. L'absence d'Oussam Elkor, un Marocain qui tire pour le club de Levallois. Et enfin, hier, on a appris le désistement de Paul Allègre, qui est cas contact au coronavirus. Du coup, on a dû faire appel à 5 personnes pour les remplacer, mais 5 personnes de qualité, car ils figurent parmi les meilleurs Français également. Du coup, voilà, c'est vraiment un plateau avec les meilleurs Français. C'est une chance aujourd'hui d'avoir tous ces tireurs ici. Donc, profitons-en. Alors ouais, on a une petite pensée du coup hein, pour Yannick Borel, Jonathan Bonner, Alex Fava et Paul Allègre hein, qui auraient voulu être là aujourd'hui, mais bon, des petits pépins physiques. Je vous propose qu'on fasse un petit point sur le tableau, peut-être en régie pouvoir nous diffuser le tableau et qu'on puisse également pouvoir voilà, faire un peu le point sur cette compétition. Et notamment Nathan, dès le premier tour, la surprise c'était l'élimination de Ronan Gustin. Alors oui, on a vu l'élimination de Ronan Gustin, qui faisait partie des favoris pour cette compétition. Il a été éliminé en tableau de 16 par son coéquipier d'INSEP, Arthur Philippe. Donc ce sont des tireurs qui se rencontrent tous les jours à l'entraînement. Donc, c'est une surprise, oui et non, parce que les tireurs se connaissent par cœur, les tireurs savent les points forts et les points faibles de l'autre. Petite surprise au point de vue du classement, on peut aussi noter la surprise de l'élimination de Mathias Biabiani, vainqueur de l'édition en 2019, donc élimination au premier tour face à Hippolyte Bouillot. Donc Mathias Biabiani qui ne pourra pas défendre un titre qu'il avait remporté ici en 2019. Bon, et finalement, pour ces demi-finales, on va retrouver le favori du jour, Alexandre Bardonnet, qui sera opposé à Hippolyte Bouillot. Et puis, surtout, la deuxième demi-finale, ce sera un remake de la finale de la 41e édition, puisqu'on va retrouver Lilian Nguefac de Levallois et Baptiste Corenti du Puc. Oui, donc comme tu viens de le dire, cette deuxième demi-finale, c'est la même finale que l'an dernier au Foussard. On se souvient que Lilian Nguefac avait remporté cette finale 15 touches à 12 contre Baptiste Corenti. On va voir si les tireurs s'en souviennent, on va voir si Baptiste Corenti va prendre sa revanche cette année et accéder pour la deuxième année consécutive à la finale de ce mémorial Henri Foussard. On sait donc qu'à être cette demi-finale, quoi qu'il arrive, un finaliste de l'année dernière sera également présent en finale cette année. Et du côté de l'autre finale, donc le favori de la compétition, Alexandre Bardonnet, 11e au classement international, qui sera opposé à Hippolyte Bouillot, qui est champion du monde M20, notamment en 2015, donc un match qui promet d'être très intéressant également. Peut-être le match, entre, si je peux dire, le moins équilibré, où sur le papier, Alexandre Bardonnet paraît favori. Après, on voit bien qu'aujourd'hui, les favoris, tout le monde est favori, tout le monde peut gagner cette compétition. Donc à Hippolyte Bouillot de créer la surprise et de s'imposer face à Alexandre Bardonnet. Alors on va rappeler les horaires, dans quelques minutes la première demi-finale donc entre Alexandre Bardonnet et Hippolyte Bouillot. Et puis à 15h30, la deuxième demi-finale entre Lilian Nguefac et Baptiste Corenti. On aura ensuite à 16h le match pour la troisième place et enfin à 16h30, la finale du 42 Mémorial Henri Foussard. On va laisser parler notre sprinteur Benoît Prétard qui va appeler les premiers demi-finalistes. Arbitre, monsieur Couper. Première demi-finale sur la piste. Crédit Agricole, arbitre monsieur Couper.
Elle opposera Alexandre Bardonnet, Escrime Rodez Aveyron, Alexandre Bardonnet, à Hippolyte Bouillot, VGA Saint-Maur. Première demi-finale. Sur la piste Ville de Lisieux, avec Madame Renouf. Sur la piste Ville de Lisieux, avec Madame Renouf. Match pour la 7e place qui opposera Clément Dorigo de Beauvais à Gaëtan Billa du PUC. Match pour la 7e place. Sur la piste Calvados, avec Karl Venandi. Piste Calvados, match pour la 9e place. Il opposera Ronan Gustin de Levallois, ici, à Nelson Lopez Pourtier de Saint-Gratien. Avec Monsieur Beauvallet sur la piste Normandie, match pour la 11e place. Il va opposer Emeric Galli de Beauvais à Grégory Bon du PUC. Voilà, présentation sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas. On attend Monsieur Galli. Et vas-y Emeric. Juste pour la petite photo, n'oubliez pas, vous êtes filmé sur les réseaux sociaux en direct. Merci messieurs, bon match. Donc Nathan, alors on a présenté nous la demi-finale. Il y a trois autres matchs qui se tirent en même temps. Le match pour la 7e, 9e et 11e place. Notamment, on sait, il y a Ronan Gustin qui donc a perdu son premier match, mais qui depuis fait un sans faute. Voilà, donc après avoir perdu ce premier match, il savait qu'il finirait classé entre 9e et 16e. Il a remporté tous ses matchs. Il est opposé face à Nelson Lopez Pourtier pour son dernier match, pour terminer 9e de la compétition. Donc, connaissant les deux tireurs, je sais que les deux vont tout donner pour terminer 9e. C'est vraiment pareil, c'est des tireurs qui tirent ensemble à l'entraînement toute la semaine. Donc, ils se connaissent par cœur. Donc, difficile de pronostiquer un vainqueur sur ce match. Mais le spectacle sera assuré, ça on en est sûr. Bon, et donc, du coup, pour suivre les autres matchs, direction le Facebook, le YouTube, pardon, soit de la FFE, soit des Skinny Jeux pour suivre les autres matchs qui sont également filmés. Nathan, du coup, le match qui nous intéresse sur ce direct, c'est cette première demi-finale avec Alexandre Bardonnet, Hippolyte Bouillot. Vous l'avez lâché tout à l'heure un petit peu à demi-mot. Le favori, c'est quand même Alexandre Bardonnet. Oui, sur le papier, le favori est Alexandre Bardonnet. Ça fait, il a aujourd'hui, sur cette compétition, le plus beau palmarès. On peut notamment citer son premier titre de champion du monde par équipe en 2019, aux côtés de Yannick Borel, Daniel Gérant et Ronan Gustin, dont on vient de parler. Alexandre Bardonnet est actuellement licencié au club de Rodez, Aveyron. Il est 11e au classement international d'escrime. Mais en face de lui, voilà, Hippolyte Bouillot, champion du monde en junior en 2015, actuellement licencié au club de la VGA Saint-Maur. Donc voilà, deux tireurs expérimentés. Donc là, c'est parti assez vite, au bout de 20 secondes. Une touche double déjà. On rappelle que l'escrime, c'est des matchs en 15 touches, de 3 manches de 3 minutes. Si les escrimeurs mettent les 15 touches avant la fin de ces 3 manches, le match s'arrête. Sinon, au bout des 3 fois 3 minutes, le score est bloqué et c'est celui qui a le plus grand nombre de points qui gagne. C'est quoi l'importance sur ce premier tiers-temps, Nathan? Est-ce que c'est vite creuser l'écart par rapport à son adversaire? Non, je pense que le premier objectif sur le premier tiers-temps, c'est d'analyser, de prendre son temps, de mettre son jeu en place et de faire les erreurs à l'autre. C'est vraiment le premier tiers-temps, c'est on ne prend pas de risques et on fait faire les erreurs à l'autre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'escrime, donc on dispute ça sur une piste qui fait 15 mètres de long, 1,50 m de large. Là, on voit que tout de suite, Alexandre Bardonnet va dans le,
dans le camp adverse. Mais bon, il est vite sanctionné par Hippolyte Bouillot. Voilà, Hippolyte Bouillot qui a vraiment un jeu plus défensif. Donc c'est Hippolyte Bouillot maintenant qui mène au score et c'est pas lui qui va faire le jeu. Donc c'est Alexandre Bardonnet de commencer à prendre les risques même si le score n'est que de 3-2. Donc c'est pour ça qu'Alexandre Bardonnet va se diriger vers Hippolyte Bouillot pour attaquer et pour essayer de revenir à égalité. Alors on voit que voilà, Alexandre Bardonnet commence à bouger un peu plus sur la piste. C'est important de bouger comme ça, de se déplacer sur la piste. Oui, ça permet de déstabiliser son adversaire, de lui faire croire qu'on avance. Là, par exemple, on vient de le voir sur cette action où Alexandre Bardonnet a reculé pour faire avancer Hippolyte Bouillot. Et sur la marche d'Hippolyte Bouillot, Alexandre Bardonnet a attaqué et a touché. Donc voilà, les déplacements, c'est vraiment essentiel en escrime. Ça permet voilà, de créer des occasions et donc de toucher. Alors, pour la grande majorité des tireurs, il n'y a pas eu de compétition depuis le mois de mars dernier, hein, et puis ce confinement. Vous avez parlé un peu avec eux aujourd'hui, comment ils se sentent par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils ont envie? Alors, ils avaient tous très envie de venir, forcément, après des mois sans compétition depuis le mois de mars l'année dernière. Tous avaient envie de reprendre et de sentir à nouveau ce stress de compétition ou cette envie de gagner que l'on peut perdre à force de faire que des entraînements toute l'année. On sait que c'est des tireurs qui, pour beaucoup, ont des ambitions internationales. Donc voilà, ils ont besoin de compétition pour se rassurer. C'est ce pourquoi ils sont venus aujourd'hui. Et d'après les premiers retours qu'on a, ils sont tous contents d'être venus aujourd'hui. Et puis pendant qu'on parle, Alexandre Bardonnet a fait son retard, il est même repassé devant le score. Finalement assez logique. Oui, il a mis peut-être un petit peu de temps à s'adapter au jeu du coup de Bouillot, même si voilà, c'est deux tireurs qui se connaissent très bien. C'est le début de match, c'est toujours difficile de rentrer dans son match, surtout une demi-finale d'une compétition. Donc on voit qu'il était mené 3-1 et que là le score passe actuellement à 5-4, mais Alexandre Bardonnet a repris l'avantage sur ce score. Et peut-être qu'en étant devant, il va maintenant plus imposer son style de jeu et faire les erreurs à Hippolyte Bouillot. Allez, encore 7 secondes à disputer et après, ça sera la première pause. Donc voilà, Alexandre Bardonnet juste avant la pause, ça c'est une touche qui risque de faire un petit peu mal au moral. Hein, quand même, pour celle-là, la morale elle est dure parce que du coup pour Hippolyte Bouillot qui était à moins 1 avant la pause, qui était mené 5-4, il passe à moins 2, à même pas une seconde de la fin, où celle-là elle peut faire mal au moral pour Hippolyte Bouillot, mais faire du bien au moral pour Alexandre Bardonnet. Alors justement, Hippolyte Bouillot, on a été le rencontrer avant sa demi-finale, il nous parle un petit peu de cette différence de niveau entre lui et les tireurs de l'INSEP que sont Alexandre Bardonnet. Je pense que je vais essayer en tout cas de tirer comme je tiens depuis ce matin, c'est-à-dire en me relâchant le plus possible, tactiquement très, en essayant de tenir vraiment une rigueur tactique très forte, puisque je sais que j'ai beaucoup moins d'escrime que mes adversaires qui eux s'entraînent à l'INSEP régulièrement, donc ils ont repris, ils ont plus de physique, plus de cardio, donc c'est dans le mental entre guillemets que ça va se passer, donc la rigueur tactique et l'intensité que je vais pouvoir mettre dans mon jeu. Super. Pas de souci, merci à vous. Et voilà, une interview réalisée avant ce match. Bon, Nathan, là, deux touches de retard, rien n'est fait quand même. Hein, rien n'est fait. À l'escrime, ça va très vite. Les scores peuvent s'inverser très rapidement. On l'a vu sur ces premiers tours de compétition où il y avait des scores avec un écart assez important et le match se resserre au fur et à mesure. Donc là, voilà, là, deux touches d'avance, le match n'est pas fini du tout. Alors, quelle tactique il peut mettre en place Hippolyte Bouillot là, pour revenir au score? Je pense qu'il va continuer à faire les erreurs à Alexandre Bardonnet et le surprendre comme on vient de le voir sur une marche en marche effente. Mais on sait que le jeu fort d'Hippolyte Bouillot, ça reste c'est un défenseur, alors qu'Alexandre Bardonnet est peut-être plus un attaquant. Voilà, comme on vient de le voir là, ça n'a pas touché.
ça n'a pas touché, mais on a bien vu sur cette action les deux styles de jeu des deux tireurs, avec Alexandre Bardonnet qui attaque et Hippolyte Bouillot qui défend. Alors la lumière verte s'est quand même allumée du côté d'Hippolyte Bouillot. Pourquoi l'arbitre n'a pas accepté la touche? Alors l'arbitre n'a pas accepté la touche parce qu'il a considéré que les deux tireurs étaient en corps à corps. Et donc il a stoppé le match. Voilà, à l'escrime, une fois que les deux tireurs se touchent, quand leur corps se touche physiquement, l'arbitre dit halt, arrête le match et annule toute touche éventuellement portée au moment de ce corps à corps. Et une nouvelle touche pour Alexandre Bardonnet. On voit qu'il presse beaucoup plus haut, beaucoup plus loin dans la piste pour acculer Hippolyte Bouillot dans ses derniers retranchements. Voilà, c'est une fois qu'Hippolyte Bouillot a reculé et qu'il n'a plus d'autre choix que d'attaquer que Alexandre Bardonnet met en place son action. Et on voit voilà, qu'Hippolyte Bouillot a toujours... Si Alexandre Bardonnet marche trop grand ou trop vite, il est très vite sanctionné par Hippolyte Bouillot. Ouais, alors un truc qu'on n'a pas précisé, on l'a vu avec la touche d'Hippolyte Bouillot, c'est qu'à l'épée, on peut toucher tout le corps. On peut toucher tout le corps, que ce soit la main, le masque, le pied. Voilà, c'est la seule arme à l'esprit. On peut toucher tout le corps, donc ça peut paraître facile. En revanche, il faut savoir défendre tout le corps. Donc, comment on défend le pied, comment défendre la main. Voilà, on voit qu'Hippolyte Bouillot, par exemple, vient de toucher la main d'Alexandre Bardonnet et il vient de repasser devant, voilà, donc... On en parlait au retour de la pause. Est-ce que le match est terminé? On voit bien que non. Et ça fait une troisième touche d'affilée pour Hippolyte Bouillot. Il semble inverser la vapeur, là. Ouais, sur ces quelques touches, il est repassé devant et il a l'air sûr de ses actions. Donc maintenant, ça va être Alexandre Bardonnet, voilà, comme on vient de le voir à l'instant. Avec une attaque qui va devoir remettre son jeu en place et reprendre d'éventuels risques. Ouais, Alexandre qui reprend sa marche en avant. Voilà, on voit qu'il presse Hippolyte Bouillot en attendant une éventuelle erreur ou une éventuelle réaction, un allongement de bras ou une marche d'Hippolyte Bouillot pour ensuite faire son action. Alors Hippolyte Bouillot, s'il est moins bien classé au niveau mondial qu'Alexandre Bardonnet, c'est quand même pas quelqu'un qui est inconnu. Il a gagné déjà un circuit national, donc l'équivalent de notre compétition à Vénissieux. Il a fait deuxième à Lens. C'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de ces phases finales de circuit national. Oui, il est habitué, puis même il a aussi des médailles durant les championnats internationaux, donc c'est quelqu'un qui est habitué à la pression des demi-finales, la pression d'une éventuelle place en finale ou d'une médaille. Donc il sait gérer ces émotions-là, mais tous les athlètes qui sont présents ici savent gérer ces émotions-là, car ils ont déjà tous fait des podiums, que ce soit en circuits nationaux ou en compétition internationale. Après voilà, ça va être au plus expérimenté, celui qui va justement gérer le mieux cette pression, qui va accéder en finale. Alors que voilà, Alexandre Bardonnet vient d'égaliser, on est à 10-10. On rappelle, il faut aller jusqu'en 15 touches. Il reste encore pas mal de chemin à faire. On l'a vu, le match est très serré, avec des tireurs qui prennent l'avantage, qui laissent l'avantage à l'autre. Ouais, difficile de pronostiquer un gagnant tout de suite. On voit bien, les derniers matchs d'une compétition sont souvent des matchs très serrés, car justement, on a les meilleurs tireurs. Et on voit cette très belle... touche au pied, remise au pied d'Hippolyte Bouillot. Alors ça veut dire que la première touche, le premier coup au pied n'a pas touché. Et que aussitôt il a refait une remise, donc c'est-à-dire enchaîner une deuxième action au pied qui elle a allumé. Ah, il est quand même fort sur ses touches aux avancées, Hippolyte Bouillot. Hein. Alors, on le voit, il a refait la même. Juste après, il vient de refaire une touche au pied, remise au pied. Sur la première touche au pied, on voit bien qu'Alexandre Bardonnet recule son pied et part ensuite attaquer. Hippolyte Bouillot qui n'est plus qu'à deux touches de la finale. Ouais. Bon, voilà. Il va falloir remonter cet écart de trois touches si Alexandre Bardonnet veut gagner une deuxième fois l'Isio, on rappelle. C'est le plus jeune vainqueur de l'épreuve. Il a gagné en 2009. Il n'avait alors que 18 ans. Il était encore junior. C'était sa première victoire en circuit national, donc
On sait que voilà, aujourd'hui il ambitionnait de gagner une deuxième fois à Lisieux. Est-ce que c'est impossible maintenant ? Non, 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 13-11, voilà, on voit bien là, 13-12 à l'instant, donc le match est totalement relancé. Après, en face de lui, Polyte Bouillot, qui n'a jamais été en finale de Lisieux, donc voilà, il a sûrement cette envie aussi de finir le match et d'accéder à cette première demi-finale. En face de lui, Alexandre Barbenet, qui ne va rien lâcher, on voit ça. Oh, l'égalisation 13 partout à 7 secondes de la deuxième pause. Et encore une fois, Alexandre Barbenet finit très bien ses manches. Comme ouais. La manche d'avant où il avait creusé l'écart, là il revient au score juste avant cette pause du deuxième tiers-temps. Et voilà, c'est la deuxième pause. Bon, quand on est coach, qu'il reste 3 minutes de match, 2 touches à mettre, quand on est coach, là en bout de piste, que le score est à 13-13, Nathan, qu'est-ce qu'on dit à son tireur ? Ça dépend du tireur, de la physionomie du match. Là, on voit qu'Alexandre Barbenet était mené de 3 touches et vient d'inverser la tendance, donc vient de revenir à égalité. Donc son coach va lui dire continue le jeu que tu mets en place, continue ce que tu viens de faire, ne change rien. En revanche, c'est Pauline Bouillot qui, lui, menait 13-10 et qui vient de se faire remonter. Peut-être que son maître d'âme va lui dire tu vas changer. Sur les 3 dernières touches, tu as vu, il a fait ça, donc c'est à toi de t'adapter. Donc ça dépend vraiment de la physionomie, mais le plus important pour le coach, c'est de mettre en confiance. À 2 touches du match, de la victoire, c'est de mettre en confiance son athlète et pas lui dire « t'as loupé ça, t'as loupé ça », mais plutôt lui dire « t'as réussi ça, t'es fort dans ça ». Donc voilà, là, c'est la dernière pause. Après, les coachs n'auront plus le droit d'intervenir auprès des tireurs. Donc là, c'est de la mise en confiance et des encouragements. Allez, on voit Maître Rieu pour Rodez à gauche et Maître Robin à droite pour la VGA Saint-Banc qui se replace sur leur chaise de match et c'est reparti pour le dernier tiers. On rappelle, il reste 2 touches à mettre et les tireurs ont 3 minutes pour mettre ces 2 touches. Le premier à 15 accède à la finale. Oh là. Alors là, pas de touche, pareil, toujours ce corps à corps. Ce corps à corps, Alexandre Barbenet qui s'est collé à Hippolyte Bouillot, les deux corps se collant. L'arbitre a dû dire halt pour arrêter le match. La touche d'Hippolyte Bouillot a été portée après le contact des deux tireurs, donc la touche ne peut pas être valable. Et de nouveau, un corps à corps. On voit bien, après son action, Alexandre Barbenet se rapproche d'Hippolyte Bouillot pour l'empêcher de toucher, ce qui crée ce corps à corps. Et voilà, la 14e touche pour Alexandre Barbenet. Il pressait depuis le retour de la pause. Allez. Une touche de la finale. Une touche de sa deuxième finale à Lisieux. Ah, et la touche d'Hippolyte Bouillot. 14 égales. Bon. 14 égales. Le prochain qui touche gagne ce match. En cas de touche double, on reste à 14-14. Ah, ils ont le temps de la mettre, hein. Il reste 2-20 au temps. Ils ont le temps. Ah voilà, là c'est bien la préparer. Ça va être... Qui va prendre le risque ? Ah ! Et la touche. Oh la touche, oui. Alors, ouais. Et on voit la touche d'Alexandre Barbenet. Qui a crié. En finale. Sur une touche un peu chanceuse, puisque finalement il a voulu attaquer. Hippolyte Bouillot a fait la parade. La parade finie, du coup, a amené la lame de Barbenet dans les chaussures de Bouillot et c'est comme ça que la dernière touche s'est mise. Et c'est comme ça, on a même vu Alexandre Barbenet qui s'est excusé car c'était pas cette touche qu'il avait prévue et gagner un match sur une touche, on va dire, un peu chanceuse, ça fait partie du sport. Voilà, maintenant, Alexandre Barbenet accède en finale. Hippolyte Bouillot, il lui reste un match pour décrocher la 3e place et donc son premier podium à Lisieux. Et donc voilà, donc on retrouvera Alexandre Barbenet à 16h30 pour la finale, Hippolyte Bouillot à 16h pour le match pour la 3e place. Et puis on va vous laisser un petit spot de pub et redécouvrir le tableau. Nous on se retrouve à 15h30 pour la 2e demi-finale entre Lilian Nguefak et Baptiste Corenti.
tonight, la 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 la.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. And you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Deuxième demi-finale.
Et on revient en direct pour cette deuxième demi-finale. On l'a dit tout à l'heure, Nathan, un remake de la finale de la 41e édition entre Baptiste Corenti, le perdant malheureux l'année dernière, et Lilian Ngefac, le tenant du titre. Voilà, donc Lilian Ngefac, le tireur de Levallois, et Baptiste Corenti, le tireur de Paris Université Club. Deux tireurs qui se sont rencontrés déjà de nombreuses fois sur le circuit français, et notamment pour... tous ceux qui avaient regardé le Foussard l'année dernière, ils se sont rencontrés en finale. C'était Lilian Ngefac qui avait remporté cette 41e édition du Mémorial Henri Foussard, 15 touches à 12. On va voir aujourd'hui si Baptiste Corenti va prendre sa revanche ou si Lilian Ngefac va accéder à sa deuxième finale en 2 ans. Et n'hésitez pas, à la fois sur le live YouTube et sur le live Facebook, à nous poser vos questions, à réagir à la compétition avec le hashtag 42e Foussard. Avec Nathan, on va essayer de répondre à toutes vos interrogations et puis vous expliquer encore une fois un peu les enjeux de ce match. Bon, Nathan, forcément, notre cœur balance là sur cette étape, sur ce match. On aimerait bien que Corenti prenne sa revanche sur Lilian Ngefac, mais on aimerait bien également que Lilian Ngefac inscrive une deuxième fois son nom au palmarès de l'épreuve. Voilà, très dur à pronostiquer. On sait en plus que si Lilian excelle en finale, et puis il sera opposé à Alexandre Bardonnet, donc ça ferait une finale avec deux anciens vainqueurs du Foussard. En face de Lilian, Baptiste, qui lui a déjà une deuxième place et qui, je pense, a envie d'inscrire son nom au palmarès du Mémorial Henri Foussard. Et il inscrit à l'instant la première touche à la main de Lilian Ngefac. Voilà, comme sur le premier match, il a fallu une vingtaine de secondes pour revoir cette première touche. Et Baptiste Corenti qui a sanctionné au bras Lilian Ngefac. Alors là, le début du match a l'air de se passer un peu plus dans le camp de Baptiste Corenti. On voit qu'il y a quand même un peu d'observation entre les deux tireurs. Ouais, ils se connaissent, ils savent les points forts, les points faibles de l'autre. Aucun des deux tireurs va prendre des risques inutiles. Et là, on voit voilà, Lilian Ngefac qui attaque, enfin, sa première attaque du match. Et voilà, il a pris son temps, il a attaqué, et ça a touché directement. Nathan, Lilian, tu le connais bien. C'est lui qui t'a battu également l'année dernière au Foussard. Tu avais eu l'occasion de prendre ta revanche après à Strasbourg. C'est quoi son point fort? Il va très vite. Il va très très vite vers l'avant, il s'adapte beaucoup à la distance de son adversaire. On voit bien qu'il va attendre le bon moment pour faire sa flèche. C'est un peu les mêmes qualités qu'un Baptiste Corenti qui, lui, va attendre beaucoup et faire des erreurs à son adversaire. Et si son adversaire est trop près, il va être sanctionné directement. Donc, comme on l'a vu sur une première touche, par une attaque à la main, ou à la deuxième touche, ou sur sa deuxième touche, une attaque aux flèches au corps. Pour l'instant, après 1 minute 30 de match, personne n'a vraiment pris l'ascendant au score.
C'est très serré, 2-1 pour Corenti, et voilà, NGFAB qui égalise. Ouais, ça risque d'être comme la première demi-finale, un match très serré entre les deux tireurs. Comme beaucoup de matchs aujourd'hui, les tireurs ici sont tous des champions français. Ils ont tous l'habitude de se rencontrer, même à l'entraînement pour la plupart, donc ils se connaissent par cœur. Donc, difficile pour eux de surprendre leur adversaire. Donc, voilà, donc on est beaucoup dans des phases d'observation et d'analyse de son adversaire. Alors, peut-être qu'en arrière-plan, vous entendez également un peu de bruit, c'est normal. Il y a encore un autre match sur la piste Calvados que vous pouvez suivre sur le compte YouTube du club Esquim Lisieux. C'est le match pour la 5e place entre Arthur Philippe et Romain Canon. Pour l'instant, c'est Romain Canon qui mène 8-7. Et on peut voir donc dans le chat des encouragements à la fois pour le PUC, donc pour Baptiste Corenti, et à la fois pour Lilian Nguefag. Donc on peut voir des supporters des deux tireurs qui sont en train de regarder la vidéo. Et voilà, on parlait justement de ces flèches redoutables de Lilian Nguefag, qu'on vient de l'avoir à l'illustration. 4-3 désormais pour le tireur de Levallois. Une marche un peu trop grande de Baptiste Corenti. Lilian Nguefag qui fait ce qu'on appelle une contre-attaque directement au tibia. Voilà, on voit qu'il a changé de cible sur ses premières touches. Il était principalement, ses touches étaient portées vers le haut du corps. Et là, on voit que la touche a été portée à la cuisse. Donc il a changé sa cible pour surprendre Baptiste Corenti. Alors, Baptiste Corenti qui demande à faire vérifier son épée, il pense que voilà, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Parce que voilà, les épées servent à allumer, mais bon, quand ça marche pas, comment on fait? Donc là, l'arbitre a testé l'épée de Baptiste Corenti. Elle a considéré que l'épée marchait, car au moment où elle a appuyé, l'épée s'est allumée. Après, voilà, Baptiste Corenti a un doute sur son épée. Et pour s'enlever tout doute de la tête et pour ne pas être paralysé par mon épée, est-ce qu'elle fonctionne ou pas, il change d'épée, il en prend une qui marche très bien, pour avoir la tête complètement concentrée sur son match. Ah, est-ce que ce qu'il faut se préciser, Nathan, en fait, c'est qu'au bout des épées, on a des sortes de petits boutons poussoirs qui permettent de fermer un circuit électrique, et c'est ce qui permet également d'allumer la lumière sur l'appareil. Voilà, donc c'est un système de ressort, donc il faut assez appuyer justement sur la pointe pour toucher l'adversaire, donc pour allumer sa lumière. Là, on voit que l'épée de Baptiste Corenti, quand il appuyait, ça ne s'allumait pas forcément, donc peut-être un problème de ressort. Donc il a préféré changer d'épée. Et voilà, c'est la pause, le score 5-3. Bon, Baptiste Corenti, il avait des ambitions aujourd'hui, hein. Il nous l'a dit également avant le match. Je vous propose qu'on l'écoute pendant cette pause. Merci. De rien. Merci les gars. Ouais, je suis super content de reprendre les compétitions. Ça fait presque un an qu'on n'a pas fait de compète. Donc c'est bien de s'entraîner et tout. On a la chance en étant sportif de haut niveau de pouvoir s'entraîner. Mais par contre, ça ne remplace pas du tout les sensations de compétition, l'adrénaline, la pression, tout ça. C'est trop bon. Donc franchement, on est grave content. L'année dernière, on t'a quitté sur la plus mauvaise marche, celle des finalistes. Cette année, j'imagine que la victoire, t'as envie d'avoir. Tout à fait, ça a été quelque chose d'important pour moi, parce que dans la saison, derrière, ça m'a donné, en étant en finale, c'était la première fois que j'arrivais en finale d'un circuit national, et échouer à deux touches, parce que je perds 15-13, ça m'avait vraiment donné envie de revenir le plus vite possible pour gagner un circuit, parce que pareil, c'est trop de bonnes sensations d'arriver en finale et de faire des matchs comme ça. Donc il y a eu Strasbourg l'année dernière où je suis arrivé à gagner la compète quasiment après Lisieux. Et donc revenir ici, c'est vrai qu'on a envie de rajouter cette compétition à notre palmarès. Donc bien sûr qu'on vient avec les dents longues pour gagner cette compète. Et voilà, on retourne au match qui a redémarré là pendant l'interview de Baptiste Corenti. Et voilà, Lilian Nguefag qui presse, mais qui se fait sanctionner sur son pressing par Baptiste Corenti. Voilà, on sent que sur sa flèche, Baptiste Corenti était prêt à une éventuelle attaque de Lilian, et donc sur cette attaque justement, Baptiste Corenti a fait une parade riposte et donc a touché tout seul.
Et voilà, Baptiste Coranti qui est bien revenu de la pause. Il égalise à 5 partout. Est-ce que la tendance du match est en train de s'inverser? C'est difficile à dire. On l'a vu déjà sur le match précédent où un écart de plus de peut ne pas avoir d'influence sur le résultat final. Voilà, là on voit directement que Lilian Ngefak repasse devant au score. Donc c'est vraiment un match très serré entre ces deux tireurs. On est reparti un peu sur les mêmes bases, hein, que le premier tiers. Il y a beaucoup d'observations, on essaie de faire les erreurs à l'autre. Pour l'instant, personne n'ose vraiment se découvrir quand même dans ce match. Non, les deux tireurs sont très patients. Il y a quelques attaques rares, des fois au pied, des fois au corps, pour essayer de trouver des solutions ou débloquer un petit peu ce match. Là, on voit à l'instant une touche double. Donc une touche double à l'épée, c'est les deux lumières s'allument en même temps, donc c'est un point pour les deux tireurs. Est-ce que c'est une particularité de l'arme, c'est que quand les deux lumières s'allument, les deux adversaires ont un point. Voilà, c'est peut-être l'arme la plus simple à comprendre à l'escrime, où voilà, si un tireur touche son adversaire et que la lumière s'allume, le point est donné. À la différence du fleuret et du sabre, où c'est des armes de convention, où donc faut avoir la priorité pour toucher, c'est pas parce qu'on a touché son adversaire qu'on a forcément le point. L'épée, c'est plus simple, on touche son adversaire, on a le point. Et pour l'instant, cet écart au score qui ne décolle pas, toujours une touche d'avance en faveur du tireur de Levallois, Ngefak. Voilà, les tireurs qui enchaînent les doubles depuis 3-4 touches, donc le score évolue, mais l'écart entre les deux tireurs n'évolue pas. Est-ce que vous pensez, Nathan, qu'à ce moment du match, Coranti repense à la finale de l'année dernière et a un petit stress en plus parce qu'il ne veut pas reproduire les mêmes erreurs? Alors je ne suis pas dans sa tête, mais peut-être que oui, il y pense, il dit tiens, j'ai déjà tiré contre Lilian à cette même compétition l'année dernière, aussi à une phase finale. Donc faut pas que je fasse les mêmes erreurs que l'année dernière. Donc voilà, peut-être qu'il a mis une autre stratégie en place que durant son match l'année dernière. Le match cette année est serré, l'année dernière aussi, voilà encore une double. Ce qu'on rappelle, l'année dernière, Ngefak n'a gagné que sur le score de 15-13. Donc finalement, il avait fait la différence vraiment en toute fin de la finale. Ouais, c'est souvent le cas entre des tireurs qui se connaissent. Et voilà, l'écart est souvent à la fin. Là, on voit 19. Et voilà, à l'instant, Baptiste Coranti qui touche tout seul, donc il revient à égalité. Comme le match tout à l'heure, on est à 10 partout. Encore une fois, difficile de pronostiquer le vainqueur sur ce match. Difficile ou vous voulez pas vous mouiller, Nathan? Vraiment difficile. C'est pronostiquer un vainqueur sur ce match, ce serait jouer à pile ou face parce que les deux ont la capacité de gagner, les deux méritent de gagner. Et alors là, c'est marrant, c'est la deuxième pause et on retourne au même score que sur la première de demi-finale, 10-10. Du coup, je vous repose pas la question, mais là, le rôle du coach, il est quand même hyper essentiel sur cette deuxième pause. Oui, là, ça va être... on est aux deux tiers du match en termes de touches et en termes de chronomètre. Donc, il reste quand même une grosse partie du match où le but d'un tireur, ça va être soit de continuer dans le jeu qui l'a permis d'arriver à ce score-là, soit de déstabiliser en variant... pas forcément tout son jeu, mais ça peut être un conseil du coach, c'est décale un petit peu ta main, mets un petit peu moins de rythme sur les jambes pour essayer de déstabiliser son adversaire en face. Donc voilà, là, il va falloir prendre un risque. Un risque pour faire une erreur à l'autre ou un risque pour toucher. Alors, on vient de voir là, par contre, les coachs sont vite rassis à leur chaise. Il reste encore une quinzaine de secondes. C'est normal pour vous? Ça peut être normal, ça peut être le signe que les tireurs dans leur tête sont prêts, savent ce qu'ils doivent faire. Donc la phase de pause a juste été une minute pour rassurer et pour encourager que les tireurs, ne sont pas perdus sur le match. Ils savent quoi faire, ils savent comment toucher l'autre. Donc voilà, à nouveau une touche double. 11 égalités entre les deux tireurs.
Bon, en tout cas, on avait promis des matchs serrés, on les a. Cette deuxième demi-finale ne nous fait pas mentir. 11-11, il reste 2 minutes 40. On rappelle le premier à 15 touches, ou le premier devant au score à la fin du temps réglementaire, ira en finale. Et voilà, Nguefak qui sanctionne encore une fois Baptiste Courenti sur une superbe flèche. Voilà, il a bien senti le moment, comme j'en avais parlé en début de match. Lilian Nguefak, c'est vraiment un tireur qui s'adapte à la distance et qui adapte aussi du coup la vitesse de déplacement pour pouvoir surprendre et toucher en flèche. On voit que cette action lui permet de repasser devant à 3 touches. Et une nouvelle fois, Baptiste Courenti qui attaque. Lilian Nguefak qui fait la parade riposte et qui loupe cette riposte, ce qui permet donc à Courenti de continuer son attaque et d'enchaîner. Donc 12 partout, une fois de plus, match serré. Alors sur le live YouTube, on nous demande quel est l'enjeu de cette compète. Et bien en fait, c'est une compétition de reprise pour tous les épéistes français qui sont là aujourd'hui. Voilà, ça fait depuis le mois de mars l'année dernière qu'ils ne l'ont pas tiré. Donc voilà, ce n'est pas un circuit national officiel. Pour l'instant, il n'y a rien de tel en France, puisque tous les épéistes de France ne peuvent pas pratiquer leur sport. Aujourd'hui, il n'y a que des sportifs de haut niveau, donc qui bénéficient d'une réglementation, d'une dérogation, pardon, un événement à huis clos. Donc voilà, c'est pour un master à l'épée avec les 16 meilleurs Français du moment. Lilian Nguefak qui mène désormais 14-13. Ouais, on a vu, il a touché sur peut-être sa touche phare du match, et une flèche sur une marche de Baptiste Courenti. Voilà, donc là, match très serré entre les deux. Baptiste Courenti qui ne doit pas faire d'erreur, sinon il sait qu'il sera sanctionné directement. Et Lilian Nguefak qui doit bien préparer sa dernière touche pour être sûr de toucher. Allez, le jeune tireur de Levallois qui a l'opportunité d'aller faire une deuxième finale. Et oui, c'est fait. C'est fait sur cette touche double. Lilian Nguefak qui, comme l'année dernière, s'impose aux dépens de Baptiste Courenti et ira disputer sa deuxième finale d'affilée. Et cette année, il sera opposé à Alexandre Bardonnet. Deux anciens vainqueurs du Foussard. Donc on aura forcément quelqu'un de déjà connu au palmarès qui va gagner. Voilà, que ce soit Lilian Nguefak qui a gagné en 2019 ou Alexandre Bardonnet en 2019. L'un des deux inscrira son nom à cette épreuve 2021. Et ben voilà, on vous donne rendez-vous donc à 16h pour le prochain match. Une petite pause de pub et on se retrouve après avec Grégory Lafont, vice-président de la Fédération Française d'Escrime, en charge de la communication. For me, my darling, won't you sing it for me? Yeah.
homegrown alligator. See you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Bonjour. Président en charge de la communication à la Fédération Française d'Escrime. C'est ça. Merci d'être là. J'imagine que vous êtes content comme nous de retrouver un peu d'escrime en vrai. C'est ça, merci de m'avoir invité. Oui, très heureux de voir des assauts, d'entendre le bruit des lames. Ça fait longtemps, personnellement, moi, que j'ai pas assisté à ça. Et évidemment, j'imagine que les gens qui regardent chez eux sur Internet les assauts de la journée ressentent pas forcément de la même façon, mais ressentent aussi cette excitation un petit peu hein, d'une compétition de très haut niveau comme celle-ci. Bon, un petit mot sur le plateau du jour. On a quasiment les meilleurs forfaits, à part les quelques blessures de dernière minute. Ça nous offre des matchs serrés. J'imagine que c'est bien aussi pour le niveau du groupe France. Oui, bah je crois que... Alors, on a effectivement quelques forfaits, mais on voit des assauts de très haut niveau. Alors, les athlètes, pour avoir discuté avec eux, estiment qu'ils n'ont pas beaucoup de repères de compétition. Vu de l'extérieur, ça se voit pas trop, parce que ce qu'ils offrent est un spectacle de très bon niveau. Il y a aussi de bons jeunes qui sont là, puisqu'ils ont été sélectionnés par le club de Lisieux pour venir tirer. Et tout ça offre des assauts très disputés, avec énormément de résultats à 15-14, hein, beaucoup de dernières touches très serrées. Alors, vous êtes une nouvelle équipe à la tête de la Fédé là, depuis l'automne. J'imagine que vous arrivez avec des idées et des envies. C'est quoi les grands projets pour les mois à venir, et notamment pour aussi relancer l'escrime face à la crise du Covid? Alors, on avait un beau projet quand on a été élu, on l'a toujours, mais c'est vrai que la crise du Covid nous impose un peu de nous adapter. Et là, on est surtout en train de gérer une crise à laquelle on ne peut pas grand-chose. Le projet, depuis le début, ça a été d'être au soutien des clubs, quels qu'ils soient, des grands clubs comme des petits clubs, pour leur apporter l'aide dont ils ont besoin avec toute la structure de la Fédération Française d'Escrime. Et après, en termes de communication, puisque moi c'est ma partie, développer, faire parler de l'escrime, mais peut-être autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et par exemple,
un tournoi comme celui que vous présentez aujourd'hui ici à Lisieux, bah, ça donne des idées, y compris en temps de Covid, parce que même si on ne maîtrise pas les solutions, les réglementations, la réglementation sanitaire liée à cette épidémie, eh bien on se rend compte que si on se glisse dans les interstices qu'offre la réglementation, bah, on peut faire des belles choses comme celle-ci. Alors le club de Lisieux a énormément travaillé en amont hein, pour organiser cet événement, mais c'est payant et on ne peut qu'engager les clubs, les régions à essayer de mettre en œuvre ce genre d'événement. Alors, j'ai vraiment envie de vous poser cette dernière question. Votre favori pour la finale ? Franchement, j'en ai pas vraiment, mais je vais mettre une petite pièce sur Liliane Nguefak. Que j'ai vu ce matin lors de son premier assaut et qui a failli perdre. Il était mené, je crois, 10-2 sur son premier match. Et il l'a emporté 15-14. Et là, en demi-finale, il a de nouveau emporté 15-14. Je pense qu'il a la niaque aujourd'hui. Bon, eh ben, écoutez, on va voir ça dès 16h30 pour la finale. Merci, monsieur le vice-président. Merci. Merci. Et puis, bon match pour ce qui reste à suivre. Merci beaucoup. Guess I made a lot of mistakes, yeah. Guess I've been in my way. But I gotta do what it takes now. Got me feeling like I missed my time. Got me feeling like I'm lost. I'll be facing all my demons now. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord. Lord. Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby, ain't nobody gonna talk me down. Ain't nobody gonna hold me now. I got a feeling in my bones, in my bones. We'll never touch the ground. I feel it in my bones. I've been walking on a tightrope, yeah. I've been dancing with the ghost. Can't nobody take me out my zone. I gotta walk until I get there, yeah. One step at a time. Tell my baby I'll be coming home. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord. Lord, yeah. Cause I gotta feel bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby, ain't nobody gonna talk me down. Ain't nobody gonna hold me now. I got a feeling in my bones, in my bones. We'll never touch the ground.
Baptiste Coranti. Voilà, les deux tiers ont fait des gros matchs en demi-finale. Mais je prends un risque, voilà. Je pronostique Baptiste Coranti, même si une victoire d'Hippolyte Bouillot sur ce match me ferait plaisir également. Et alors, petite cerise sur le gâteau, le soleil a fait son apparition au-dessus du gymnase. Comme quoi, en Normandie, il fait beau, Nathan. Eh oui, il n'y a pas que de la pluie, comme les gens peuvent penser. Le soleil est aussi présent quelquefois, donc profitons-en également. Bon, plus sérieusement, Nathan, vous parliez de gros matchs tout à l'heure. On sait que les tireurs n'ont pas forcément beaucoup de repères, comme l'a dit le vice-président de la Fédé, Grégory Lafont, sur de repères en compétition. Ça fait un an qu'ils n'ont pas enchaîné ce genre de match de haut niveau. Est-ce que la fatigue physique peut se faire sentir sur ce match de la 13e place? Ça peut commencer à se sentir, oui, même s'ils ont l'habitude de faire... on voit aujourd'hui, ils ont fait un total de 4 matchs en 15, tous les tireurs. Ils ont sûrement déjà fait des séances d'assaut avec autant de matchs en 15. Donc, mais là, il y a une pression, là, il y a une compétition, il y a un petit stress qui fatigue un peu plus les organismes. On est en fin de compétition, donc on va voir voilà, comment les deux tireurs se sentent et comment ils vont gérer justement cette fin de compétition. Et n'hésitez pas à continuer à commenter sur le live YouTube ou sur le live Facebook. On le rappelle, on est en direct sur les deux. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à commenter et à réagir sur ces matchs. On en profite pour faire un petit coucou à un arbitre qui a l'habitude de venir à Lisieux qui n'est pas là cette année. Julien Sanjosé, voilà. Il nous a fait un petit coucou, on lui rend. Et voilà. Et sur ce début de match, c'est que Baptiste Coranti qui a mis la première touche. Voilà, et comme tous les matchs. Une phase d'observation, de déstabilisation de l'adversaire est mise en place par les deux tireurs. On voit que Baptiste Coranti, après avoir mis la première touche en flèche, est maintenant sur un jeu un peu plus défensif. Allez, la touche double, ça fait 2-1 pour Baptiste Coranti. Et puis là, sur le live YouTube, on a aussi également un petit message sympathique de Jonathan Bonner. Jonathan, c'est un ancien vainqueur de l'épreuve. Hein. Il s'est imposé en 2014, on se souvient. Et puis, il nous avait fait une vidéo vraiment sympa de promotion en début de semaine avec son copain de club, Mathias Biabiani. Malheureusement, il s'est blessé jeudi à l'entraînement. On sait qu'il aurait aimé être là. Il nous l'a dit, il l'a répété. Après, voilà, les blessures, ça fait partie de la vie des sportifs, surtout dans des saisons ou des années si particulières où le corps n'est plus habitué à avoir des intensités de compétition. Voilà, là, il y a un moment où le corps peut lâcher. On souhaite un bon rétablissement à Jonathan Bonner, qui revienne vite. On ne sait pas quand est-ce que les compétitions officielles, nationales ou internationales, vont pouvoir reprendre. Donc on lui souhaite d'être réparé au plus vite et donc de pouvoir être prêt physiquement pour les prochaines G-séances. Voilà, là on voit Hippolyte Bouillot qui a attaqué au pied. C'est une touche un peu risquée et on voit directement Baptiste Coranti qui le sanctionne et qui reprend l'avantage. Donc 4 touches à 3. Baptiste Coranti a l'air de vouloir reprendre un peu le même type de match que face à Lilian Ingefax, c'est-à-dire défendre pour faire craquer l'adversaire. Voilà, on voit sur le live sur Facebook un encouragement de Muriel Guimain pour Hippolyte Bouillot. Deux tireurs qui se connaissent très bien également, ils ont passé de longues années ensemble au pôle France Relève de Reims. Donc c'est l'endroit où les meilleurs tireurs M20, c'est l'INSEP pour les jeunes.
ils se réunissent là, ils s'entraînent là, ils vivent là l'année, ils s'entraînent entre eux. Donc on sait que ces deux tireurs ont passé quelques années ensemble, ça fait depuis les catégories jeunes, ils sont de la même génération, ils s'entraînent ensemble, donc ils se connaissent, donc pas de prise de risque pendant les matchs. Ouais, est-ce qu'il faut le rappeler, vous l'avez bien fait, Baptiste Corenti, Hippolyte Bouillot, 26 et 25 ans, donc c'est des tireurs de la même génération. Hein, et forcément, quand on part en Coupe du Monde ensemble, quand on enchaîne les circuits nationaux, bah, c'est des tireurs qu'on a l'habitude de rencontrer, de s'affronter. Et voilà, et ça fait des matchs serrés, 6-4 pour Baptiste Corenti à l'issue de cette première pause. Allez, on profite de cette première pause, Nathan, on va lancer un petit jeu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 42e Foussard. Montrez-nous comment vous suivez cette compétition dans votre canapé, dans votre chaise de jardin, dans la salle à manger. N'hésitez pas, envoyez-nous vos photos et postez-les avec le hashtag 42e Foussard. La plus belle photo, la photo la plus originale, eh ben, elle remportera le poster dédicacé avec la signature de tous les participants de l'épreuve. Voilà, c'est un petit cadeau un peu original et un peu unique pour pouvoir profiter à plus long terme de cette compétition. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez-vous en photo et partagez ça avec le hashtag 42e Foussard. La pause qui est déjà terminée, les deux tireurs vont reprendre. Léger avantage de deux touches pour le Baptiste Corenti, le tireur du PUC. Mais voilà, deux touches en escrime, c'est rien. Hippolyte Bouillot va tout faire pour revenir au score et remporter cette petite finale, ce match pour la troisième place. Hippolyte Bouillot commence à prendre un petit peu plus de risques, à aller vers l'avant, lui qui est habituellement un défenseur. Et ce qui fait un petit peu jeu quand même de Baptiste Corenti. Ah bah oui, Baptiste Corenti qui maintenant est devant au score, ne va pas prendre les risques, ne va pas aller chercher les touches. Justement, il va attendre, même s'il ne va pas faire que attendre, il va provoquer les erreurs d'Hippolyte Bouillot pour en profiter. Mais voilà, Hippolyte Bouillot qui lui aussi du coup va faire partir, va essayer de déclencher une réaction de Baptiste Corenti pour ensuite toucher et recoller au score. Allez, 7-5, il reste 2 minutes 10 dans ce deuxième tiers-temps. Et voilà, Hippolyte Bouillot qui va essayer de gagner un peu de terrain pour forcer Baptiste Corenti à partir. Avec deux touches d'avance, Baptiste Corenti, il est plutôt confortable pour l'instant. Oui, lui, il va pas prendre les risques, voilà, comme on voit là. Il attend l'attaque d'Hippolyte Bouillot, il profite de la grande attaque d'Hippolyte Bouillot. Et Baptiste, il a le temps de placer une contre-attaque. Donc voilà, maintenant il est à plus 3. L'écart se creuse et donc Hippolyte Bouillot va devoir encore prendre plus de risques. Mais est-ce que là, Hippolyte Bouillot, il n'a pas intérêt à pousser un peu plus en fond de piste à Baptiste Corenti? Si, c'est l'escrime. Quand on veut attaquer quelqu'un, le but, c'est qu'il ne puisse pas défendre. À l'escrime, on peut défendre de deux façons. Soit quand l'autre nous attaque, on peut défendre avec les jambes, donc on recule, on évite la touche. Soit on défend avec la pointe. Voilà, en poussant Baptiste Corenti, il va priver Baptiste Corenti de défendre avec ses jambes. Et donc il va pouvoir défendre qu'avec sa main, ce qui va donc le limiter en termes de défense. Donc voilà, une des stratégies d'Hippolyte Bouillot, ça serait peut-être de pousser Corenti en bout de piste pour ensuite déclencher une attaque. Et le score maintenant qui est de 9 à 6, 3 touches d'avance pour le tireur du PUC. Hippolyte Bouillot qui a du mal à refaire son retard. On voit, il essaie de travailler un peu à la main pour faire bouger la pointe de Baptiste Corenti, mais pour l'instant ça ne marche pas. Face de lui, Baptiste Corenti, très peu d'erreurs, on voit très solide sur les jambes, la main qui bouge très peu, donc ça a vraiment peu de possibilités à Hippolyte Bouillot de le surprendre. Et à l'inverse, on voit Baptiste Corenti qui, les dernières touches étaient plus en défenseur, et là on voit il attaque, donc il surprend Hippolyte Bouillot qui ne s'attendait peut-être pas à une attaque de la part de son adversaire.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que Petit Scoranti ne cherche pas non plus à faire des touches exceptionnelles. Il sait qu'il a ses trois touches d'avance, il gère cette avance et il va chercher la double pour garder son avance au score. Voilà, lui maintenant, Baptiste Scoranti, il n'a pas besoin de toucher tout seul. Voilà, s'il n'y a que des doubles. Et voilà, cette belle touche à la main de Baptiste Scoranti, touche aux avancées. Le score passe donc de 11 touches à 7. Et merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, on le rappelle, hein, à gagner la fiche dédicacée par tous les participants. N'hésite pas à poster sa photo de suivi de la compétition avec le hashtag 42e Froussard sur tous les réseaux sociaux. Et on choisira la photo la plus sympa, la plus originale. On en profite également pour faire un petit coucou à Julie, une ancienne du club qui maintenant nous suit de Moscou. C'est son père qui a créé la compétition, c'était déjà en 1979. Voilà, plus de 40 ans pour le mémorial Henri Froussard qui continue de faire part des vies. Et merci aux anciens du club de suivre encore cette compète de l'autre bout du monde. Deuxième pause, Nathan, toujours cette avance de 3 touches pour Baptiste Scoranti, 11 à 8. On sent que Bouillot n'arrive pas à trouver la faille. Est-ce que voilà, le match est fait? Non, le match n'est pas fait. Voilà, les deux tireurs se connaissent. Si les deux tireurs vont avoir des conseils de leur maître d'armes donc, qui ont un regard eux extérieur au match, donc peut-être donner un petit détail. Peut-être que le maître d'armes d'Hippolyte Bouillot va lui donner un petit détail, une petite astuce. Et une fois sur la piste, ça va déstabiliser légèrement ou pas Baptiste Scoranti. Ça peut permettre à Hippolyte Bouillot de revenir au score. Il n'y a que 3 touches, donc voilà, à l'escrime, un match est jamais fini. À l'inverse, Baptiste Scoranti, qui lui mène 2-3 touches, voilà, va normalement conserver son jeu, c'est-à-dire être plus de la défensive, il va prendre moins de risques qu'Hippolyte Bouillot. Mais c'est normal car il a de l'avance et ce n'est pas à lui de prendre des risques. Hippolyte Bouillot qui a profité de cette pause, hein, pour prendre les conseils de son entraîneur, boire un coup, boire entre ces périodes, c'est important, Nathan? Oui, c'est important, ça permet déjà de récupérer un petit peu. On voit que les tireurs font des matchs de 3 minutes. Donc pendant 3 minutes, il fait chaud sous la tenue. Faut respirer, faut boire, faut s'hydrater pour permettre au corps de continuer le match. Là, on sait que c'est sur le dernier match, voilà. Hippolyte Bouillot qui marche un peu grand, directement sanctionné à la main par Baptiste Scoranti. Et ça fait 12 à 8, Baptiste Scoranti qui s'envole. Alors ça ne sera pas pour cette année, hein, une victoire à Lisieux, on sait qu'il a très envie de ça, mais bon, il s'approche un peu plus de la troisième place du podium. Hein. Voilà, s'il gagne, car le match n'est pas fini, mais s'il gagne, il remporte, il signera un deuxième podium consécutif à Lisieux après sa deuxième place de l'an passé. Mais voilà, le match n'est pas fini. Et Hippolyte Bouillot, lui, aimerait bien aussi décrocher son premier podium. Eh oui, parce qu'on le répète, Hippolyte Bouillot, c'est un habitué des podiums en circuit national. L'année dernière, il a fini deuxième à Lens. Il y a 2 ans, il gagne à Vénissieux. C'est des épreuves qui sont du même calibre que Lisieux. Donc voilà, c'est un tireur qui est expérimenté sur ce genre d'épreuve. Et on le voit, et ben, l'écart se réduit. Alors, on sait que c'est un des circuits où il n'a pas encore décroché de podium. Donc voilà, je pense qu'il a à cœur, mais comme tout compétiteur, voilà, c'est la dure réalité du match de la troisième place. Et voilà, il y en a un qui termine sur le podium et l'autre qui ne sera pas sur le podium de cette édition. Allez, la touche double bien rattrapée par Baptiste Scoranti. Et il sait, hein, que ce genre de touche double, c'est en sa faveur. Il s'approche progressivement du score de 15 qui va lui permettre de terminer sur la troisième place. Mais bon, on a vu, hein, Hippolyte Bouillot n'a pas rendu les armes et il sait, hein, qu'il peut encore inverser la tendance. Et voilà. Voilà. On voit sur cette belle flèche, il touche tout seul, 13-12. Voilà, il n'est plus qu'à une touche alors que plus tôt dans le match, l'écart était de plus 4 pour Baptiste Scoranti. Donc on voit bien que sur cette fin de match, Hippolyte Bouillot recolle au score. Et voilà, est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'il recolle au bon moment? L'avenir nous le dira. Et voilà. Égalité. Égalité. On a senti là sur la touche d'avant là, que Scoranti avait besoin de souffler. On voit là. D'ailleurs, il prend un peu le temps de se remettre bien en place. Est-ce qu'on peut être victime d'un coup de chaud là comme ça sur le genre de fin de match?
Oui, oui, ça peut être récent. Il a été devant tout le match. Il avait un écart plus ou moins important en fonction de la période du match. Oh, elle est bien faite. Et là, on voit au bon moment du match une flèche tout droit au corps qui touche tout seul. Ah ouais, c'était important de mettre cette touche. Hein. Ça casse un peu la dynamique de Bouillot qui était revenu au score. Ouais, pour la tête, c'est bien. Voilà, il n'est plus qu'à une touche. Il est en confiance car voilà, il vient de mettre cette touche-là. Maintenant, ça va être à lui de conclure ce match. Allez, Bouillot qui tout de suite se montre un peu plus agressif sur la pointe. Attention. Est-ce que l'arbitre la valide? Oui. La touche est validée. Et c'est le point de Baptiste Courant qui commence. Voilà, un peu de la joie de Corenti, la frustration du sang de Bouillot parce qu'il revenait dans ce match. Il revenait. Et voilà, ça s'est joué à pas grand-chose sur la dernière touche. Baptiste Corenti, troisième. Et puis il nous reste du coup la finale, Nathan, à 16h30 dans un quart d'heure. Voilà, entre deux anciens vainqueurs, Alexandre Bardonnet et Lilian Ngefak. Et donc on vous retrouve d'ici quelques instants, notamment avec Madame Lejeune, adjointe au sport de la ville de Lisieux, qui va un petit peu aussi nous raconter comment elle vit cette journée et cette manifestation. A tout de suite. Et n'oubliez pas la photo souvenir des vainqueurs de Mémorial Henri Poussard juste avant la finale. Yes, I made a lot of mistakes, yeah. Guess I've been in my way. But I gotta do what it takes now. Got me feeling like I missed my time. Got me feeling like I'm lost. I'll be facing all my demons now. I got my eyes on the road, Lord. I'm gonna do right by you, Lord. Lord. 'Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby, ain't nobody gonna talk me down. Ain't nobody gonna hold me now. I got a feeling in my bones, in my bones. We'll never touch the ground.
I've been walking on a tightrope, yeah. I've been dancing with the ghost. Can't nobody take me on my zone. I gotta walk until I get there, yeah. One step at a time. Tell my baby I'll be coming home. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord. Lord, yeah. Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby. Moment, find my place. No, I ain't gonna walk alone. So we can take a leap of faith. See the moment, find a place. We ain't gonna walk alone. Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby, I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby, ain't nobody gonna talk me down. Ain't nobody gonna hold me now. I got a feeling in my bones, in my bones. We'll never touch the ground. Les réseaux sociaux, la caméra est en face, je vais poser des questions simples, hein, juste... Juste en dessous là. On la regarde ou... vous, comme vous voulez. Enfin... Je vous laisse, oui. Monsieur le maire, comme vous le sentez. Alors je vais mettre de l'autre côté de vous, comme ça, ça va être beaucoup plus facile. On se retrouve juste avant la finale du 42e Mémorial aux Fussards, je vais y arriver, c'est la fin de journée, en compagnie de monsieur le maire Sébastien Leclerc et madame Lejeune, adjointe au sport de la ville de Lisieux. Merci d'être présent, merci. Merci de votre invitation. Que ça fait du bien de revoir du sport et du sport de haut niveau à Lisieux en ces temps de crise. Oui, ça fait beaucoup beaucoup de bien. Ça fait d'abord beaucoup de bien de vous voir organiser une manifestation de ce niveau-là, d'un niveau, même s'il n'y a quasi que des Français, d'un niveau international, parce que quand on voit le palmarès avec tous ces champions, on est vraiment fiers de savoir et de pouvoir les accueillir à Lisieux. Et moi, je vous félicite de l'avoir organisé. Alors, on s'adapte. On est obligé de s'adapter à cause de la pandémie. Mais je crois que c'est vraiment une belle réussite. Et Madame Lejeune, la ville de Lisieux, quand on leur a proposé d'organiser cette manifestation en huis clos dans un nouveau contexte, a tout de suite dit oui. Et comme tous les ans, finalement. Oui, ça a été un grand plaisir d'être sollicité et de pouvoir autoriser et de permettre cette belle manifestation. Ça nous a permis de revoir des beaux champions que j'avais découverts l'année dernière. Et puis là, ça va être une belle finale, une grande finale. Je suis contente parce que j'avais une petite préférence. Et puis, ma petite préférence est en finale. Voilà. Donc, j'imagine que votre favori, c'est Lilian Nguefak pour tout une deuxième fait, victoire. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, bon. Je suis ravie. Et du coup, une compétition qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, c'est aussi une nouveauté. Je sais que la ville de Lisieux a beaucoup investi avec notamment les concerts sur la salle Mosaïque. J'imagine qu'on en verra d'autres dans les prochaines semaines et les prochains mois encore. C'est un projet, hein, monsieur le maire. Hein. On envisage que notre ville bouge, de proposer des choses pour animer. C'est vrai que c'est des périodes difficiles, il ne se passe pas grand-chose. On a envie, quoi. Monsieur le maire a cette envie, on a tous cette envie, quoi. Eh bien, super. Je vais quand même ajouter un mot parce que, en fait, on est obligé de s'adapter à la nature et on a créé d'autres façons de faire du sport et du sport de très haut niveau et un moyen de le faire vivre. On a fait vivre hier soir la culture, c'est peut-être à ça que vous pensiez tout à l'heure.
je crois quand même que si on doit avoir un message d'espoir, c'est d'espérer sortir le plus vite de cette pandémie et qu'on puisse enfin tomber les masques, se taper dans le dos, se serrer la main, faire du judo, faire du foot, que nos enfants puissent faire du sport en intérieur, parce qu'ici on est dans un intérieur qui sert aussi au hand. Et ce qu'on veut, c'est, même si c'est magnifique ce que vous avez fait, c'est que ça vive partout et que et qu'il y ait de la sueur sur tous les terrains et qu'on puisse aller encourager nos petits autour des espaces sportifs. Alors tomber les masques, pas trop vite pour les finalistes, parce qu'il leur reste encore un match à faire et on sait que bon, ça peut être dangereux de tirer sans un masque. Donc du coup, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la finale entre Alexandre Bardonnet, 11e mondial, et Lilian Nguefak, vainqueur sortant. Merci beaucoup. Merci. Bien, je vais appeler les anciens vainqueurs du mémorial Henri Foussard pour une photo souvenir. Donc je vais appeler sur la piste finale Lilian Nguefak, Mathias Biabiani, Tristan Tulen et Alexandre Bardonnet. Messieurs, s'il vous plaît, pour une photo avec Léo, évidemment. Piste finale. Au milieu. Lilian Nguefak, Mathias Biabiani, Tristan Tulen, Alexandre Bardonnet ont tous été vainqueurs du mémorial Henri Foussard. Et voilà Mathias. Et on attend notre photographe Nils. Il est là. Eh bien, merci messieurs. Merci pour ce souvenir. Il y aura peut-être avec cette finale d'autres personnes qui accrocheront une nouvelle victoire à leur palmarès. Allez Nathan, on se retrouve, le dernier match et la préparation hein, qui se fait, la musique qui est en train de monter, on se retrouve pour la finale. Juste avant, on a fait une petite photo souvenir avec les anciens vainqueurs. Il y avait donc Lilian Nguefak. Allez, on laisse le speaker en rentrant après. Avec à l'arbitrage Emmanuel Renouf qui sera aidé avec comme assesseur Bogdan Teaka et Jean-Charles Beauvallet de Levallois. Sur la piste, s'il vous plaît. Donc cette finale opposera un ancien vainqueur du mémorial Henri Foussard, Alexandre Bardonnet, d'Escrime Rodez Aveyron. Alexandre a été champion du monde par équipe en 2019. Premier à la Coupe du Monde d'Heidenheim,
deuxième au Grand Prix de Doha en 2016 et en 2020, troisième à la Coupe du Monde de Berne en 2019 et troisième à la Coupe du Monde de Vancouver en 2019, troisième par équipe, Alexandre Bardonnet. Et il sera opposé à un ancien vainqueur aussi du Mémorial Henri Foussard, Lilian Nguefak de Levallois. Lilian a été troisième au championnat du monde M20 en 2018, champion de France M20 en 2019, champion d'Europe par équipe en 2017 à Plovdiv, vice-champion du monde par équipe 2018 et troisième au championnat d'Europe par équipe en 2019. Je vous demande d'applaudir Lilian Nguefak. Eh bien, merci et bonne finale. On se retrouve, Nathan, ça y est, c'est parti, c'est la finale. Le match qu'on attendait un petit peu depuis ce matin quand même, faut pas se mentir. Avec finalement le favori de l'épreuve, Alexandre Bardonnet, 11e mondial, comme l'a rappelé notre super speaker Benoît Frétard. Et puis le tenant du titre, Lilian Nguefak. Lilian Nguefak, voilà, qui commence à prendre ses habitudes à Lisieux. Ouais, on voit, c'est une finale avec deux générations différentes. Donc, à droite, Alexandre Bardonnet, 30 ans. En face de lui, Lilian Nguefak, tout jeune, 21 ans, qui vient d'entrer à l'INSEP, donc la structure où sont regroupés les athlètes de haut niveau. En face de lui, Bardonnet, qui, ça fait une dizaine d'années qu'il est déjà présent à l'INSEP. Donc voilà, deux générations différentes qui vont s'affronter pour un seul vainqueur. Bon, et sur les réseaux sociaux, les messages d'encouragement des deux camps, hein, c'est un peu 50-50 pour l'instant. On le rappelle, partagez-nous vos plus belles photos et montrez-nous comment vous suivez ce 42e Mémorial Henri Foussard en partageant vos photos sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag 42e Foussard, on va y arriver. On choisira l'image la plus originale, la plus sympathique et on remettra au vainqueur un poster dédicacé de l'ensemble des participants de la journée. Allez, et c'est parti pour un premier tiers-temps de 3 minutes entre le Levalloisien Lilian Nguefak et le Ruthénois Alexandre Bardonnet. Pour l'instant, personne n'a pris de réel risque. Voilà, ça y est, hop. Comme les matchs précédents, une phase d'observation. Et voilà, la première touche d'Alexandre Bardonnet avec une touche au pied. On sait que c'est un tireur qui touche souvent au pied. On sait que c'est une de ses touches favoris. Et voilà, la première touche du match au pied. Ça peut le mettre en confiance pour la suite de ce match. Voilà, directement l'égalisation de Lilian Nguefak, qui ne veut pas prendre de retard dans ce début de match. Non, parce qu'il nous l'a confié avant les demi-finales. Il aimerait bien instituer une petite habitude en venant toujours prendre une victoire à Lisieux. Il a dit qu'il aimait cette compète et qu'il avait vraiment envie de s'inscrire dans une dynamique. Donc c'est clair qu'il va essayer de mener la vie dure à Bardonnet dès le début du match. Là, par contre, en face de lui, Alexandre Bardonnet, on sait que ça fait quelques années qu'il n'est pas venu au Mémorial Henri Foussard. Mais déjà vainqueur, et pourquoi pas, 11 ans après, ajouter à nouveau, pour la deuxième fois, son nom au palmarès de cette épreuve, l'Exogame. Allez, Lilian Nguefak qui passe devant au score pour la première fois de ce match, 3 à 2. Oh, fouetté extérieur, ça fait 4 à 2. L'extérieur de la main, qui permet de prendre un petit écart dans cette finale. Voilà, après avoir touché à la main, maintenant il touche au pied. Alors je comptais vous demander en début
de ce match s'il n'y allait pas avoir un peu d'observation de la part de la NBFAC, s'il n'allait pas un peu regarder finalement l'expérimenté Barnum. En fait, voilà, clairement, il y va sans complexe. Voilà, c'est sûrement dû à leurs nombreux entraînements ensemble donc depuis la rentrée de septembre à l'INSEP. C'est que les tireurs peuvent s'entraîner ensemble au moins 3 fois par semaine. Donc depuis le début de l'année, ça commence à faire pas mal de séances ensemble. Est-ce que vous faites bien de le rappeler si Bardonnet est finalement un tireur de l'INSEP depuis de nombreuses saisons. Pour Lyon Gepak, c'est très nouveau puisque suite à sa victoire à Lisbonne l'année dernière, il est parti en Coupe du Monde Senior. Et puis les entraîneurs pro-nationaux lui ont proposé d'intégrer l'INSEP en septembre. Mais forcément, c'est quelque chose qu'on ne refuse pas dans la carrière d'un athlète. On ne peut pas refuser d'entrer à l'INSEP. Après, voilà, il avait fait quelques années donc, au pôle France Relève de Reims. Donc c'est la suite logique quand tout tireur qui est dans ce pôle France souhaite ensuite intégrer l'INSEP. Et on a vu cette action sur l'attaque d'Alexandre Bardonnet, la parade, la riposte, sans jamais quitter le fer. Et maintenant, le score qui continue d'augmenter, ça fait 7-5. Lilian qui ne laisse pas du tout de répit à Alexandre Bardonnet. Alors on voit bien que 12 touches ont déjà été inscrites dans ce début de match, même si on est bientôt déjà à la fin du premier tiers-temps. Et voilà, Alexandre Bardonnet qui reste au contact, l'écart ne se creuse pas dans le match. Ouais, parce que même si on mène deux touches, il ne faut pas faire n'importe quoi sur ce type de match. On voit que voilà, c'est deux escrimeurs de très haut niveau, donc dès qu'il y a la moindre erreur, on essaye de sanctionner. Hein. Oui, ça fait partie. Bah, Alexandre Bardonnet fait partie des meilleurs épéistes internationaux. Donc voilà, une erreur face à lui, directement, on est sanctionné. Il n'y a pas de deuxième chance. Voilà, et on voit, il recolle tout de suite à égalité. Allez, 5 secondes avant d'aller à la pause, les coups de tireurs vont laisser, je pense, voilà, courir le temps. Ça fait 7-7, fin du premier tiers-temps. Nathan, je vous propose qu'on écoute Alexandre. Il s'est confié à notre micro sur sa première victoire à Lisieux. C'était déjà il y a 11 ans. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est la première compétition chez les grands, en senior. J'étais junior 2, donc ça faisait encore moi junior remporter un circuit senior, c'est pas commun. Je me souviens qu'il y avait des adversaires valeureux en face de moi. Il y avait Yannick Borel que j'avais battu en demi-finale. On avait fait un gros combat. Maintenant c'est un partenaire d'entraînement, mais à cette époque-là, lui était déjà l'INSEP, moi j'étais encore au Pôle France de Reims. C'est ce qui m'a permis cette compétition de me sélectionner au championnat du monde junior. Donc c'était ça a été une très belle journée, j'en garde un très très bon souvenir. Et voilà, on a entendu Alexandre, hein, pour qui la victoire à Lisieux, ça a compté quand même en 2009. On rappelle que 10 ans après, il remportait sa première Coupe du Monde, c'était à Heidenheim. Et là, il est de nouveau en finale à Lisieux. Début de la deuxième reprise, 7-7. Nathan, c'est serré. C'est très serré entre les deux tireurs. Voilà, c'est difficile de prévoir le vainqueur, mais voilà, on voit qu'Alexandre Bardonnet est sur une série de 3 touches consécutives. Donc voilà, il inverse un petit peu la tendance du match, même si voilà, l'écart d'une touche à l'escrime, c'est très peu. C'est important de mettre la première touche au retour de la pause. Oui, voilà, ça permet de se remettre en confiance et de dire voilà, je suis dans mon match, je suis rentré, je suis prêt à tenir l'autre. Voilà, la pause m'a fait du bien. Je te préviens, je suis prêt pour la suite du match. Et la suite du match, c'est toujours Alexandre Bardonnet, une touche d'avance, 9-8. Qui redresse, qui prend le temps voilà, de bien redresser son épée. Ça aussi, c'est important d'avoir une épée un peu courbée dans le bon sens. Oui, ouais, l'épée doit être. Alors ça, c'est l'épée est propre à chaque tireur forcément, mais en général les épées sont un petit peu courbées vers le bas pour être directement placées vers la main de son adversaire pour être tout le temps menaçant. Donc voilà, après forcément chaque tireur a ses propres épées. Là on voit que les deux tireurs sur la piste sont des tireurs avec des poignées cross, ce qu'on appelle. Donc c'est
c'est des poignées qui permettent d'avoir plus de force dans la tenue de l'arme. La touche qui est accordée, un petit moment d'hésitation pour Ngefa qui pensait qu'elle était au sol, mais non, la touche a bien été accordée par l'arbitre. Ça fait désormais 10 à 8 et 11 à 8 pour Alexandre Bardonnet. Et tout de suite, voilà, une petite touche à la main, Alexandre Bardonnet qui est très fort sur les différentes avancées, que ce soit la main ou le pied. Voilà, on sait que on voit directement, il enchaîne main à pied. Ouais, on voit que Bardonnet a essayé de profiter un peu de ce moment d'égarement de Ngefak pour le sanctionner direct après cette touche un peu où Ngefak ne pensait pas qu'elle était sur lui. Donc il a enchaîné directement, pas le temps de se remettre dans le match. Et tout de suite, ça porte le score à 3 touches d'avance pour Alexandre Bardonnet et 4 touches d'avance sur cette action. Alors, il se rapproche de plus en plus d'un deuxième titre ici à Lisieux, plus qu'à 3 touches. D'inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès de l'épreuve. Bref, là du coup on a une petite pensée quand même pour Madame Lejeune, l'adjointe au sport de la ville de Lisieux, qui nous confiait pendant la pause que son favori c'était Ngefak depuis sa victoire l'année dernière. Non, rien n'est fait encore, hein, mais bon, Alexandre Bardonnet prend de l'avance, même si là la touche est pour le tireur de Levallois. Nouvelle touche pour Alexandre Bardonnet, le score 13 à 9. Alexandre qui s'envole désormais avec 4 touches d'avance vers une deuxième victoire. On voit mal quand même Lilian Ngefak revenir, on semble qu'il est à peu près des solutions. Hein. Voilà, on voit surtout mal Alexandre Bardonnet perdre. Voilà, il n'est plus qu'à une touche, il était favori de cette compétition depuis le forfait de Yannick Borel. Et il va sûrement répondre présent. Voilà. Je vais pas parler avant qu'il ait vraiment gagné. Mais sa victoire semble très probable quand même. Et voilà la victoire. La victoire d'Alexandre Bardonnet, 11 ans après son premier titre à Lisieux. Salué par les participants, les bénévoles et les quelques officiels présents aujourd'hui sur cette dernière action, la victoire d'Alexandre Bardonnet. Comme vous le dites, 11 ans après sa première victoire à Lisieux. Une belle finale encore, Nathan. Victoire de Alexandre Bardonnet pour cette 42e édition. Donc une deuxième victoire pour Alexandre. Oui, voilà, forcément une très belle finale entre deux ex-vainqueurs du Mémorial Foussard. Félicitations à Alexandre Bardonnet et également à Lilian Ngefak pour cette belle finale. Et oui, parce que c'est quand même important de faire ce qu'a fait Lilian, c'est-à-dire remettre son titre en jeu et se hisser quand même jusqu'en finale. Voilà, c'est des choses qui sont jamais faciles hein, de remettre son titre en jeu. Non, c'est toujours dire, ça rajoute une pression supplémentaire en plus de la pression habituelle d'une compétition. Voilà, on a vu qu'il a réussi à gérer cette pression quasiment jusqu'au bout de la compétition avec des matchs plus ou moins durs tout au long de cette journée. Mais voilà, félicitations à Lilian Ngefak, à Alexandre Bardonnet forcément pour la victoire ainsi qu'à tous les participants de cette 42e édition du Mémorial Henri Foussard. Et donc juste avant de laisser la place au speaker officiel Maître Frétard, hein, qui on félicite hein, comme l'ensemble des bénévoles l'organisation de cette journée, donc on va laisser la place à Maître Frétard pour le podium protocolaire. On profite maintenant peut-être de ce petit temps de transition pour remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis, on le rappelle, en un mois et demi de construire cette 42e édition dans un format totalement inhabituel avec un plateau d'une qualité qu'on avait rarement vu à Lisieux. Donc je pense forcément en premier lieu à la ville de Lisieux, premier partenaire du club, hein, au conseil départemental du Calvados, également fidèle partenaire du club, la région Normandie, et puis également un nouveau venu qui nous a rejoint dans cette aventure tout récemment, le Crédit Agricole. Voilà, chacune des pistes étaient dédiées à leur nom. On pense également à l'ensemble de nos autres partenaires, hein, que vous allez pouvoir retrouver sur les deux photocalls mis en fond d'écran pour ce podium. Voilà, encore une fois, c'est hyper important dans ces moments de crise et de Covid qu'il y ait une certaine solidarité entre les clubs qui organisent et nos partenaires. Voilà. On les remercie d'avoir joué le jeu
on ne peut que vous inviter à consommer auprès d'eux, à les soutenir, à penser à eux, à les mentionner. Et puis nous, Nathan, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 43e édition. On l'espère pour vous sur une piste. J'espère aussi. Et puis évidemment sur le podium. J'espère. Eh bien écoutez, merci Nathan pour le commentaire. On vous laisse quelques minutes le temps d'installation du podium et Benoît Frétard reprend le speaker pour annoncer les lauréats. Merci beaucoup.
Nous allons débuter la remise des récompenses et nous allons appeler sur le podium les 16 participants de cette 42e édition du Mémorial Henri Foussard. Évidemment, les gens qui sont appelés se mettront sur le côté du podium. À la 16e place, Henrik Leroux-Boulez de Beauvais. À la 15e place, Tristan Tulen, ancien vainqueur Hollande. Tristan Tulen à la 15e place. À la 14e place, Gaëtan Lebert de Châlons en Champagne. Treizième place, Mathias Biaviani, Escrime Rodez Aveyron. À la 12e place, Aymeric Galli Beauvais. À la 11e place, Grégory Bon du Puc. À la 10e place, Ronan Gustin Levallois. À la 9e place, Nelson Lopez Pourtier de Saint-Gratien. À la 8e place, Clément Dorigo de Beauvais. À la 7e place, Gaëtan Billa du Puc. À la 6e place, Arthur Philippe de Saint-Gratien. À la 5e place, Romain Canon de la VGA. Donc, on va demander aux représentants de la Fédération française de remettre ce lot au quatrième, à Monsieur Lafont et à Monsieur Peters en même temps, de remettre la quatrième place à Monsieur Hippolyte Bouillot de la VGA. Je vais appeler Madame Périgny pour remettre le lot suivant. Madame Périgny, s'il vous plaît. Donc la troisième place, Baptiste Coranti du PUC. Et le lot sera mis par Madame Périgny, députée. Je vais appeler Madame Porte. Madame Porte, s'il vous plaît, pour la deuxième place. Donc cette seconde place, le lot sera remis par Madame Porte, qui est députée et conseillère régionale. Et j'appelle donc Lilian Nguefac de Levallois. Et enfin, pour remettre le premier prix, Madame Lejeune et Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, maire
de la ville de Lisieux, Madame Lejeune adjointe au sport. Et donc, ils vont remettre ensemble le lot de la première place à Alexandre Bardonnet d'Escrime Rodez Aveyron. Eh bien, merci à tous. Merci d'être venus pour avoir participé à cette 42e édition un petit peu particulière. Bon retour et bonne chance dans la suite de vos objectifs.